Bonjour, on est à l'essai, les tests drive du Model X à Montréal. On est aujourd'hui le 8 mars et j'ai Pierre Michaud avec moi qui a eu la chance de la conduire pour la première fois cette merveille, ce VUS 100% électrique de Tesla Motors. Et donc, après 7 mois d'attente. Après 7 mois d'attente. Ça c'était une de mes questions. C'est, ouais. Fait que ça fait 7 mois que tu as placé ta réservation. Oui. Et là, tu as fait le test drive. Écoute, ce qui est drôle, je pourrais te la montrer. Mon numéro de commande, c'est 1313. Ah ouais? J'ai dit, avec un numéro de même, je ne serais jamais capable d'avoir le Model X. Ça se peut pas. 2 × 13, ça se peut pas. Mais non, ça a l'air à bien aller. Ben, ça suit son cours. 2 × 13, ça veut. Ça doit porter chance, je peux pas croire. Là, c'est ça. Ça s'annule. Ça fait que ça va porter chance. Non, j'ai trouvé ça ironique. C'est drôle. Effectivement. Ouais. C'est quoi tes premières impressions de ton test drive? Emballé, c'est difficile de se contenir. Hein? On attend, ça fait longtemps. On a des attentes élevées aussi au niveau du produit. Je te dirais que la première des choses au niveau des performances, c'est spectaculaire. La tenue de route grâce à son seuil de gravité qui est très bas. C'est une voiture de sport. On n'a pas l'impression de conduire un véhicule de cette grosseur-là quand même. Ça, c'est gros. Parce que, on le regarde en photo, c'est... La cabine, c'est impressionnant. Il y a beaucoup d'espace, c'est original, c'est pas du conventionnel, on voit pas ça dans l'allemand, on voit pas ça dans le haut de gamme, peu importe la marque, y compris les produits d'haut de gamme qui proviennent d'Angleterre. On n'a pas ça, ce genre d'approche-là. Et ça, bien, ça rafraîchit un peu le produit. T'sais. Alors, le pare-brise qui t'arrive au-dessus de la tête, les portes qui ouvrent chaque côté en papillon, la configuration aussi qui est possible d'avoir à l'intérieur, 5, 6 ou 7 sièges. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et évidemment, il n'y a pas de mécanique complexe. C'est des moteurs électriques. C'est extraordinaire. Pas d'émissions polluantes. Le véhicule est extraordinaire au niveau de la recharge aussi autonome. Tu sais, quand tu es en décélération, la capacité de régénération est remarquable. Tu touches presque pas au frein. Fait que le coût d'entretien va être minime. C'est que ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Le produit va durer très longtemps. C'est tout en aluminium, donc c'est un atout. Ça, j'aime beaucoup ça. Ce que j'aime moins, je te dirais, moi, je suis habitué de conduire un véhicule allemand parce que j'adore beaucoup la qualité. Tu conduis déjà un VUS, toi? Oui, moi, j'ai déjà un VUS. C'est ça. Mais ce que j'apprécie dans les produits allemands, c'est la qualité de finition, là. Le luxe omniprésent, la qualité de l'assemblage. Il reste encore un peu de chemin à faire avec le X. C'est quand même... C'est une bonne progression par rapport au S. Oui, mais je veux dire, il reste que la facture est là. Hein? On est-tu d'accord que la facture est là? Surtout en dollars canadiens. Hein? C'est pas drôle. Tu sais, j'ai trouvé ça pénible de voir le dollar chuter de même alors que moi, j'avais ma commande de fête. J'ai trouvé ça dur. Mais bon, on vit avec ça. Puis qu'est-ce que tu veux? C'est un rêve pour moi. J'arrive à la soixantaine. Je vais l'avoir à mes 60 ans. C'est un cadeau de carrière que je me paye. J'ai travaillé fort dans ma vie. Je pense que je peux me permettre ça. Je suis chanceux, je l'apprécie. Mais je suis capable de passer à côté de ces petits détails-là de luxe que j'aime moins. Puis je vais te dire pourquoi. C'est à cause de le concept du système électronique, l'application. Les mises à jour. Le software, c'est ça. Je trouve ça extraordinaire, tout ce qu'on peut faire avec ça. J'ai roulé tout à l'heure avec l'autopilote. Et, je veux dire, c'est... Pour Québec-Montréal, ça va être génial. Vous faites souvent Québec-Montréal, oui. J'imagine. Là, je vais pouvoir... on devrait pas dire ça, mais je pourrais quasiment laisser le volant puis lire mes documents en montant. Je vous garantis que vous allez le faire. Oui, en tout cas. Il résisterait pas. C'est original. Si je comprends bien, tu confirmes donc ta commande? Parce que là, aujourd'hui... Oui, je confirme. Tu choisis tes options? Moi, j'ai tout fait. Là, ça me reste c'est quoi les options?
c'est-tu une 90D Ludicrous? Non, une 90D, okay. Parce que je veux l'autonomie quand même, la puissance aussi, mais pas c'est nécessairement d'aller dans le Ludicrous, là, j'ai pas besoin de ça. Je trouve ça raisonnable, un 90D, je trouve ça raisonnable, je parle pas du prix, mais je parle ici des performances. On il y a plein d'atouts là, qui arrivent avec. Sur le corps de 1000, tu vas battre la plupart des Mustangs, là. Donc même Mustang, une 90D. Là. Oui, ben tu sais, d'après moi, ça sera pas dur. Je pense qu'on va même battre plusieurs Allemandes, puis ils vont rester surpris. Mais l'idée, c'est pas ça. Vraiment, moi, ce qui me motive à avoir ce véhicule-là, oui, c'est son originalité. Le fait que c'est un utilitaire sport, donc il y a évidemment, la traction intégrale nettement supérieure que tout ce qui existe dans le marché, y compris chez Subaru, là, ça répond chez Audi, en millième, puis tout ça. En millionième de seconde, je écoute, pense. Écoute, aucun lien mécanique. Moteurs, c'est ça. Aucun lien mécanique entre l'avant et l'arrière. C'est électronique. Tu ne peux pas avoir une meilleure performance que ça. Ça, c'est des atouts majeurs. C'est tout en aluminium. Tu sais, ça ne pollue pas. Tu n'as pas de système d'échappement. Tu n'as pas de réservoir d'essence. Le maudit pétrole que tout le monde en a ras-le-bol, ben, tu n'as plus ça. Il y a des grands atouts. La garantie de 8 ans, kilométrage est limité. Aussi. Il n'y a aucun manufacturier qui a ça. C'est quand même impressionnant. Oui. Donc, écoute, C'est quoi les options? L'attache remorque? Oui. Les roues de 22 pouces ou de 20 oui, pouces? Ben oui, ben oui. OK. Couleur? Ben là, je ne sais pas. On va décider ça en famille ce soir. Je ne sais pas. Okay, je n'ai pas encore décidé. J'aime bien le bleu, mais je suis habitué au noir. Je ne sais pas. C'est un gars de noir. Ouais. Les sièges noirs aussi? Non, j'irais avec les blancs. Là. Les blancs, il paraît qu'ils se nettoient mieux. Oui, paraît-il. Ouais. Puis c'est ce que j'ai déjà dans mon véhicule, puis j'adore ça. Okay. Puis quand j'avais commandé les blancs dans mon véhicule actuel, le concessionnaire, c'était la première fois qu'il en vendait. Mais personne ne voulait commander ça, puis ça a l'air qu'après ça, ils en ont vendu pas mal. Donc, je vais avec ça, parce que c'est plus que lumineux à l'intérieur. T'as plus de... T'sais, c'est parce que noir, ça fait noir longtemps à l'intérieur un peu. Est-ce qu'on t'a donné une estimation de la date de livraison? Écoute, Tesla, ici? Au mois d'août, si je suis chanceux. Ça, on dit le mois d'août. Fait que pour l'été. Attends pour avant ben, la fin de l'été. À la fin de l'été, parce qu'il n'y a rien de plus plate que de recevoir un véhicule en novembre. Ben, ça va avoir pris un an. Oui. Ça va avoir pris un an. J'ai entendu 9 mois pour ma Model S. Oui, c'est ça. Ça fait 3 ans que j'ai, d'ailleurs. Oui, oui. Puis... J'y viens de dépasser le 195 000. Entre nos deux, as-tu des troubles? J'ai eu des petits troubles. Ah oui? Oui. Comme ils ont changé le drivetrain parce qu'il faisait du bruit. Oh! Mais moi, ce que je trouve incroyable avec Tesla, c'est que mon drivetrain faisait du bruit. Je lui ai dit, il fait du bruit. Quand j'arrive au service, j'avais un service de prévu, un entretien de prévu. Puis il dit, pas de problème. Une demi-journée après, donc je l'emmène le matin, l'après-midi, ton drivetrain est changé, no questions asked, puis ton problème est réglé. Le service. Fait que oui, il y a eu des problèmes. J'ai eu le toit ouvrant aussi. Que on s'entend là, que dès qu'il y a un petit bruit de vent dans ton toit ouvrant, là, c'est énervant. Là. Il n'y a pas de bruit. Mais non, c'est ça. Il n'y a pas de marge de manœuvre. On devient plus tolérant. On devient pas aussi... On est exigeant. Tu es plus tolérant. Il y a du bruit. Y a de, mais là, on n'est pas tolérant. Mais le service. No questions asked. Bon. J'ai jamais payé. Ben, je te dirais. Le seul entretien que j'ai eu à payer, c'est un windshield cassé, une roche. Oui. Puis les pneus. Je suis encore sur le même set de brake. J'étais à 195 000 km. J'ai pas changé mes plaquettes. Ça travaille pas. J'ai pas changé mes freins. Ça travaille pas. Je suis tout le temps sur le regen. Je te dis une chose en terminant. Ils ont besoin d'avoir un bon service après-val. Oui. Mais en tout cas, avec moi, moi, c'est A1, là. C'est bon. Ça, je peux te le dire. Puis félicitations. Ben, merci. Hey, là, on va avoir un ambassadeur de haut calibre. C'est un choix personnel. Oui, mais veux pas. Ça va être malgré vous. Vous allez devenir un ambassadeur. Vous allez en parler. Puis vous allez en parler positivement. Puis vous allez donner l'heure juste. C'est ce qui est important. Vas-tu être payé pour ça, moi, là, ou quoi, là? Bien, ça je crois que oui, étant donné votre notoriété. Non, absolument pas. Il faut que je reste honnête. Je n'ai pas le choix. Bien, super. Merci beaucoup. Plaisir. Puis on espère qu'on va être là quand vous allez la recevoir.